C'est comment? Ok, je vous laisse au moins deux tables, là vous restez à côté des véhicules comme tout à l'heure et je vais faire le briefing avec vous. Un multijoueur. User pas sur raison. Il y en a un qui part. Oh, on a perdu papa bien. Voilà, normalement c'est bon, on voit sur réseau, j'ai enlevé. Ah, il part. On va voir s'il se fait déco. Ok, en attendant on va faire la suite. Donc après que Tipex ait trouvé les documents, a priori il y aurait un camp qui serait situé près des éoliennes qui sont au nord. Donc ils s'apprêtent à le déménager puisqu'ils savent qu'on est là et assez proche. Donc la mission ça va être d'envoyer deux groupes, en l'occurrence Alpha Bravo, à la recherche de ce camp. Ok, mon groupe on a déjà eu une visu, hein. Ici on voit des... il y a quelques packs en visu sur les yeux. Ok, donc au choix, ce que je vous propose, c'est soit de partir en plein milieu des éoliennes et de laisser les véhicules au niveau 0, c'est quoi ça, 82-225. En fait, tu prends la piste qui part vers le nord, premier carrefour à gauche et la piste elle s'arrête près d'une maison. Soit vous partez ici, au choix, soit au contraire vous continuez la piste et vous attaquez directement par la pointe nord pour descendre après sur les éoliennes. Là je vous laisse la coordination entre les deux groupes. Vous faites comme vous voulez. Donc départ immédiat, vous recherchez ce camp avant qu'il foute le camp. C'est marrant hein. Allez. pour Charlie. On a eu des petites infos de nos amis américains qui contrôlent la partie est avec un petit drone en fait qui est passé dans le coin. Ils ont fait une petite surveillance et ils se sont aperçus qu'il y avait des mouvements de cargaison après les suspects, sur la route sud. Donc pour être un peu plus précis, ils avaient l'air de tous se diriger vers un dépôt qui se situe à peu près aux coordonnées 058-201. Ouais, ok, ouais, visu le dépôt. Ouais. Voilà ce dépôt. Donc, mission pour toi, tu vas reconnaître le dépôt. Si jamais tu repères des conteneurs, des munitions, quoi, de l'essence, tu fais péter. Destruction de matériel pour toi. À la base on devait avoir un soutien aérien sauf qu'il est indisponible. Donc je pense que tu devrais aller faire une petite sortie 4x4 avec tes véhicules. Je pense que le mieux c'est que tu fasses comme tout à l'heure, tu sors la base, tu suis la route sur le carrefour, bah, tu tournes vers le sud, là, tu vas tout droit, tu passes à travers le champ. Après tu te positionnes comme tu veux pour attaquer. Là par contre les règles de l'avion ont changé, donc c'est la destruction, c'est tir à vue. Des armes sur eux avant de faire du tir au pigeon, mais c'est du tir à vue. Ok, ensuite.
Alpha de Bravo. Ouais, Alpha. Alors, on vient de traiter deux patrouilles de 4 packs. On en a encore une en visu. Par contre, on essuie des tirs de mortier sur notre position. Ok, reçu, tu peux modifier ta position. On est sur l'éolienne. Je te mets un point sur, le, sur la position. Ok, reçu. QG de Charlie. Charlie. Donc nous sommes près du dépôt à environ 200 mètres. Nous avons rencontré de l'opposition, passe avec 12-7 et lance-grenade. Et là on essuie des tirs de mortier. Les deux véhicules sont toujours ok, mais mon personnel aussi. On se rapproche de l'objectif. Oui Alpha. Vous êtes toujours sur votre position au point 22. Négatif, on a été pris à partie, on est toujours fixé en essayant de nous y rendre. Ok, merci. Nous on va arriver par le nord. Par rapport au ton point ENI là, on va arriver par le nord. On est à peu près à 500 mètres de l'objectif, enfin, du point ENI. Ok, bien pris, je t'ai marqué notre position, on est sur la troisième éolienne. On a dans les forêts en fait en dessous de nous on a du pack. Ok, allez-y, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil à l'éolienne qui est au nord-est du point ENI, la première, voir s'il y a des packs ENI. L'éolienne, est-ce que tu peux jeter ton TP ou quelqu'un qui a des jumelles peut jeter un coup d'œil là-haut, voir si on peut se poster là-haut nous. Ok, attendez. Je vois pas ton marquage. J'ai mis un petit point. De Charlie pour QG. Charlie, j'écoute.
Donc nous quittons le dépôt, on a placé toutes les charges explosives sur toute la logistique ennemie, on est prêt à faire péter. C'est bien reçu, procédé comme prévu. Bien reçu. Effet d'artifice. De Charlie pour QG. Charlie. Donc on a tout fait péter, on rentre à la base. C'est bien pris. Bravo. Bravo. On est toujours fixé par un mortier, j'ai perdu mon médic, mon TP lorsqu'il montait à l'assaut du camp. On a toujours pas le mortier localisé. Bravo de Alpha. Ouais, bravo. Bravo, je vous envoie du renfort vite possible. On arrive en véhicule, on va arriver au sud du camp. Il reste plus qu'au TAC sur le terrain là-bas, tu peux me le récupérer. Ouais, au TAC et à racoler notre groupe. Par contre, j'ai une équipe dans le camp, hein. J'ai une équipe à moi dans le camp. Ok, bien sûr. Par contre, on a toujours le mortier non traité. Hein. On sait pas où il est. Dans les collines en face. Ok, bien sûr, on va essayer de mettre un coup de thermique là. De Charlie pour QG. Est-ce que on va donner main forte à Alpha et Bravo? Ouais, Charlie, c'est une bonne idée de t'autoriser à soutenir Alpha et Bravo. Ok, bien pris. Il doit y rester 3 pop gars dedans. Négatif, Xunga, je suis à la base.
Charlie de Alpha. De Bravo. Oui, Charlie. Est-ce que c'est vous les trois fenêtres là? Ça sonnait. Affirmatif. C'est trois fenêtres Charlie? Négatif, il y a deux Fennec Charlie et on est avec Alpha. Visu sur deux packs ennemis en 235 à 950 mètres, qu'est-ce qu'on fait? De Alpha. Alpha. Corps nettoyé, attente, ordre actif. C'est bien reçu, faites sauter les cibles de quoi faire et rentrez voir la base. Ok, merci.